On est là, on est là. Des gilets jaunes motivés qui redonnent de la voix. Ce matin à Alès, une trentaine de manifestants en civil ont tenté de bloquer le rond-point de l'entrée d'Alès avant d'être dégagés par les forces de l'ordre en milieu de matinée. On ne peut plus rien faire, c'est l'agression, ils arrivent carrément alors qu'on n'a rien fait de mal, on n'a même pas bloqué les camions, on les a simplement détournés. Une personne a été interpellée et remise en liberté. Une quinzaine de manifestants étaient venus la soutenir devant le commissariat de police. Une des raisons pour lesquelles ils nous ont délogés aussi vite, c'est qu'ils ont justement peur que ça réagrège. Nous on ne peut plus annoncer, comme ça a été annoncé pour le 17 novembre, pendant des semaines à l'avance, on va occuper les ronds-points. Donc on l'a fait comme ça en bouche à oreille. On a commencé à communiquer dès qu'on était sur place. Mais voilà, ils nous ont dégagés très vite parce qu'ils ne voulaient pas que les gens reviennent. La prochaine mobilisation est fixée au samedi 21 septembre au Vigan pour la sauvegarde des services publics.